fête. Bonne fête, maman. Oh, merci, ma chérie. On souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde. Il va nous falloir une recette. Non, deux recettes pour fêter ça. Ah, c'est autour des recettes salées, il me semble. Tu as une idée? Oui, alors j'ai bien envie de tester cette recette de Chef Club que j'ai vue la dernière fois. Et pour la deuxième, on improvisera. Ok, parfait, je te suis. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la tarte, il faudra 2 pâtes feuilletées, 2 pavés de saumon, un peu d'eau, 100 g de fromage frais, de la ciboulette, du sel, une courgette jaune et une courgette verte. Je coupe le saumon en deux dans le sens de la longueur. Je pique une pâte et place les saumons en rond en laissant 3 cm de bord. Je badigeonne d'eau les 3 cm et rabats sur le saumon. Je soude avec une fourchette. Je coupe le boudin tous les 2 cm à l'aide d'un couteau à pain. Je fais un quart de tour avec chaque morceau et forme un pointu avec les doigts. Ça part au frigo. Dans un cul de poule, je mélange le fromage frais, la ciboulette et le sel. J'étale sur l'autre pâte piquée en bandes espacées. Je coupe entre chaque bande. Je coupe les courgettes en rondelles et les place sur les bandes en les faisant dépasser un peu. Je fais une bande jaune, une bande verte et ainsi de suite. Je roule à la suite toutes les bandes en intercalant les couleurs et pose la fleur au centre de la tarte. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour la verrine, il faudra un concombre, 160 g de gros sel, une feuille de gélatine plus un récipient d'eau froide, 100 ml de crème fleurette plus une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de brousse, 50 ml de mayonnaise, une cuillère à soupe de jus de citron, du sel et du poivre. J'épluche les concombres, les taille en fines lamelles et les mets à dégorger 40 minutes dans le gros sel.
Je les rince bien et les étale sur du papier absorbant. Je fais tremper la feuille de gélatine dans l'eau froide. Je fais fondre la gélatine égouttée dans la cuillère à soupe de crème que j'ai préalablement chauffée. Je monte la crème en chantilly. J'incorpore la gélatine au fromage frais et mélange le tout avec la chantilly. Je coupe les lamelles de concombre de façon à ce qu'elles rentrent dans mon verre. Je dépose une couche au fond de chacun d'eux. Je pose une couche de chantilly par-dessus et une autre couche de concombre, et ainsi de suite. Ça part au frigo pendant plusieurs heures. Au moment de servir, je détends la mayonnaise avec le jus de citron, du sel et du poivre. Sur chacune des verrines, je dépose une cuillère à café de mayonnaise, puis des dés de la tranche de concombre réservée. Oh, ces délicieuses recettes sont parfaites pour une entrée de fête des mères. Facile, rapide, colorée et succulente, tout comme on aime. Une fleur dans l'assiette, un feu d'artifice pour les papilles, là j'avoue Maëlys, tu as fait fort. Merci, merci. Il est temps de se quitter et de vous laisser profiter des mamans. Bonne fête à ma maman qui nous regarde. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.